succès qu'il a. Thank you very much. Thank you. Oh yes, yes, de manière. Pour une fois, tu es un journaliste qui ne dit pas de blagues. Maintenant, je suis le président. Je représente la plus grande puissance du monde, bordel de merde. Excuse me. I'm president. J'incarne la fonction. J'ai les clés de la Maison Blanche. Oh shit, tout ce que j'ai foutu. Ah yes, c'est dans mon slip. Oh non. C'est comme ça, chaque fois que j'ai mon doc qui chauffe, je les retrouve. Excuse me. I am president. J'incarne la fonction. Mais je trouve que c'est une bonne cachette, non? D'ailleurs, c'est là aussi que j'ai foutu le code de la bombe atomique. Il est vraiment dur à retenir, ce code. J'ai déjà du mal à me rappeler le prénom de ma femme, Melina, Melissa, Metoila, je ne sais plus. Monsieur Trump, c'est Melania, je crois qu'elle s'appelle Melania. Oui, yes, bravo. De toute façon, ce n'est pas grave. Je l'appelle toujours pauvre gourde. Mais c'est pour ça qu'elle faisait la gueule le jour de l'investiture. On aurait dit Manuel Valls devant les résultats des primaires de la gauche. Mais toi, bravo, tu as une bonne mémoire. Tiens, pour te remercier, je vais te refiler le code de la bombe atomique. Non, merci bien. Ça, si j'en ai besoin, je t'en prie. Non, surtout pas. Voilà, okay. On veut pas. C'est pas grave. Je vais la mettre sur un tweet. Comme ça, tout le monde l'aura et on ne me caressera plus les coconuts avec ça. Maintenant, il faut que j'apprenne toute la subtilité de la politique étrangère. Tiens, par exemple. Tu savais, toi, que dans le monde, il y avait d'autres pays que les États-Unis, la Russie, la Chine et le Mexique de merde. Ben, c'est dingue, non? Alors, il faut que je fasse gaffe à pas dire n'importe quoi. C'est pour ça que je suis venu ici, en France, sur le continent africain, pour parler à votre président Jacques Chirac, celui qui s'est barré à Londres, en Espagne, pendant la guerre de 14, quand il a demandé la légalisation du cannabis avec l'appel des 18 juin. Non, monsieur Trump. Non. Notre président, maintenant, c'est François Hollande. La France, c'est en Europe, et pas en Afrique. Et l'appel du 18 juin, c'est Charles de Gaulle. Mais non, Charles de Gaulle, c'est un porte-avions. Tu me prends pour un con, quoi. Ouais. J'ai étudié l'histoire de France avant de venir pour pas me faire coloscopier. Non, pour pas me faire entuber, excuse me, I'm president, j'ai qu'à la fonction, bon. Mais t'as vu comme ça a surpris tous les journalistes dans les médias de France? Depuis que je suis arrivé au pouvoir, je fais ce que j'avais dit que je ferais. Ils n'ont jamais vu ça chez vous, avec vos hommes politiques. J'ai juste nuancé mes propos sur l'avortement. Maintenant, je dis que les femmes auront le droit d'avorter, si le bébé est malade, handicapé ou mexicain. Oh non. Le pire, c'est qu'on n'est pas loin de la réalité. Mais justement, vous avez déjà réussi à vous fâcher avec les Mexicains. C'est quand même très grave. Mais c'est leur faute, bouffeurs de cactus. Ils ne veulent pas payer mon mur. Ils disent que ça va les gêner et qu'il n'y a pas de raison qu'ils payent pour un truc qui va les embêter. Et alors, regardez en France. Vous avez des élus qui passent leur temps à voter des lois qui vous cassent les cacahuètes et pourtant vous acceptez de les payer. Et même de payer leurs femmes. Avec la mienne, je ne risque pas de me faire choper pour l'emploi fictif, non. Car elle travaille vraiment à mes côtés. Elle a un emploi réel, de potiche. Mais de belles potiches. Elle arriverait même à faire bander un squelette. Oh non. Excuse me. I am president. C'est quand ça fonctionne. Ça me change de la vieille chouette anglaise Theresa May. Hein. Au bout d'une heure de tête à tête avec elle, j'ai compris et j'ai vite changé d'avis. Sur quoi? Sur le Brexit? Non, sur la torture. Pour faire avouer les djihadistes, pas besoin de leur envoyer 200 000 volts dans les couilles. Il vaut mieux les obliger à se taper une anglaise. Oh non, excuse me. I'm president. Après la conférence de presse avec la British, j'étais tellement tendu que pour me détendre, je me suis tapé un charlot. Ah, vous voulez dire que vous avez regardé un film de Charlie Chaplin? Non, je veux dire que j'ai téléphoné à François Hollande. Thank you very much. Good Donald night. Trump. Thank you. Michel Guidoni.